Nous allons débuter dans à peu près 30 secondes. Je veux m'assurer que le compteur qui m'indique que les participants sont encore en train de se joindre à nous s'arrête pour que personne ne soit pénalisé. Je vois que les chiffres continuent un peu à grimper, donc donnez-nous encore quelques secondes. Bon, je crois qu'il s'est stabilisé. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je me présente. Mon nom est Daniel Weinstock. Je suis professeur à la faculté de droit et au département de philosophie de l'Université McGill. J'ai été jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2020, le directeur de l'Institut des politiques sociales et de santé de McGill. Et depuis, j'occupe le poste de titulaire de la chaire Catherine A. Pearson. Sur la société civile et les politiques publiques. Et je suis, de manière plus pertinente pour le présent événement, depuis 2015, je suis responsable de l'axe éthique du réseau de recherche sur la santé des populations du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Répondre dans l'urgence, le droit et la responsabilité de l'État dans la réponse à la pandémie de COVID-19, qui est organisé par l'axe éthique et par l'axe politique publique du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Cette recherche, donc, qui va vous être présentée par nos trois conférencières, est soutenue par l'initiative interdisciplinaire de McGill en infection et immunité, pour faire bref, MI4, grâce à un financement de démarrage de la fondation du CUSUM. Alors, on est heureux de vous accueillir si nombreux. Vous êtes d'un peu partout au Québec et même de partout au monde. Donc, bienvenue à tous. Alors, avant de débuter, je vous informe que la séance aujourd'hui est enregistrée et sera rendue disponible pour une diffusion sur la plateforme YouTube. Un lien vous sera envoyé d'ici quelques jours si vous voulez revisionner l'événement ou le partager avec d'autres. Alors, je vais vous présenter très brièvement nos trois conférencières. Le temps est court et donc, d'un commun accord, il m'a été demandé d'amputer un peu la présentation de chacune de nos conférencières qui pourrait en fait occuper à peu près toute notre plage horaire. Donc, nous allons entendre à tour de rôle Marie-Ève Couture-Ménard, qui est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et avocate. Elle enseigne dans le domaine du droit de la santé, du droit agroalimentaire et de l'éthique en recherche. Nous allons ensuite entendre Lara Coury, qui est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université McGill, ainsi que membre associé de l'Institut de recherche sur la santé et les politiques publiques, que j'ai nommé tout à l'heure, et de l'unité d'éthique biomédicale, donc de l'Université McGill. Et enfin, nous allons entendre Alana Klein, également professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université McGill, où elle enseigne et le droit de la santé, le droit pénal et les droits de la personne, et également membre associé de l'Institut de politique sociale et de santé. Alors, elles vont parler dans l'ordre que je viens d'indiquer. À la suite de leur présentation, nous aurons une période de questions et d'échanges avec le public. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions à mesure que vous les formulez dans votre esprit. Vous pouvez les placer dans la section Q&R, questions et réponses. Pour ceux d'entre vous dont Zoom, pour qui Zoom parle anglais, c'est Q&A, Question and Answers, situé au bas de votre écran. Veuillez noter que, très important, les conférencières ne pourront pas répondre à des questions personnelles de type juridique, ni vous offrir des conseils juridiques dans le cadre de ce Q&R. Elles s'expriment en tant que chercheurs plutôt qu'en tant qu'avocates. Pour toute question technique, vous pouvez les écrire dans le module Converser plutôt que Q&R et ma collègue Gabriella se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire ainsi que les liens pour obtenir les PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à la professeure Marie-Ève Couture-Ménard. Bonjour. Alors moi, je vais partager mon écran parce que j'ai un petit PowerPoint. Ça ne sera pas long. On perd des minutes. OK, je l'ai.
Est-ce que vous le voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Parfait. Alors, bonjour. Bien, merci aux organisatrices et organisateurs de nous donner cette belle occasion de partager. Là, comme on l'a dit, on va être très succincte. Alors, on aura peut-être plus de temps lors de la période d'échange pour développer nos idées. Alors, comme nous savons tous et toutes, pour faire face à la crise de la COVID-19, les gouvernements à travers le monde ont exercé des pouvoirs d'urgence d'une ampleur exceptionnelle qui ont conduit à l'adoption de mesures sans précédent. Et malgré leur nécessité et leurs bienfaits potentiels, les interventions pour protéger la santé de la population ont pu avoir des répercussions négatives sur certains groupes de la population. Certaines mesures sanitaires ont soulevé le doute et la grogne au fil du temps, érodant parfois la confiance envers les gouvernements. Et dans ce contexte de crise, la responsabilité de l'État est devenue centrale. La responsabilité, le terme qu'on a choisi pour traduire celui d'accountability en anglais, qui peut se définir ainsi, une relation entre un acteur et un forum dans laquelle l'acteur a l'obligation d'expliquer et de justifier sa conduite. Le forum peut poser des questions et porter un jugement, et l'acteur est sujet à des conséquences. Et cet auteur ajoute aussi « The accountability forum can be an agency like parliament, a court or an audit office or a person such as a superior, a minister or even a journalist. » Et cette la responsabilité sert à plusieurs fins, comme prévenir les abus de pouvoir et le manque de réflexivité, assurer le respect des processus, des normes et des valeurs sociétales, améliorer les performances et contribuer à l'apprentissage. Ce sont toutes des finalités particulièrement importantes dans le contexte des pandémies comme celle de la COVID-19 qui affectent de manière disproportionnée les populations vulnérables, peuvent aggraver les inégalités et dont la nature grave et urgente peut inciter à l'application de mesures draconiennes par les gouvernements. Donc, notre étude a porté sur les mécanismes juridiques assurant la mise en œuvre de la responsabilité de l'État, à la fois en droit privé, en droit criminel, en droit constitutionnel et en droit de la santé publique. La responsabilité de l'État, elle est intimement liée aux pouvoirs qui lui sont confiés. L'État rend compte notamment de l'exercice de ses pouvoirs. Et donc, notre attention s'est portée avant tout sur les pouvoirs dont disposent les gouvernements pour répondre à une urgence sanitaire. Pendant la crise de la COVID-19, au Canada, le gouvernement fédéral n'a pas invoqué la loi sur les mesures d'urgence, mais toutes les provinces et tous les territoires ont appliqué des pouvoirs d'urgence, que ce soit en vertu de leur loi générale sur l'urgence, par exemple en Ontario, le Emergency Management and Civil Protection Act, ou en vertu de leur loi de santé publique, qui contient aussi des pouvoirs d'urgence, par exemple au Québec, la loi sur la santé publique. Plusieurs provinces et territoires ont adopté des mesures d'urgence en utilisant ces deux types de lois. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que d'autres pouvoirs que les pouvoirs d'urgence peuvent s'exercer pendant une pandémie et même en amont et ensuite avoir des répercussions pendant la crise, par exemple en matière de financement et d'organisation des services de santé. Mais la réponse à la crise de la COVID-19 au Canada s'est principalement orchestrée à travers les pouvoirs d'urgence. Et pour illustrer leur teneur et leur portée, on a décidé de brosser un portrait des pouvoirs d'urgence énoncés dans les lois de santé publique de chaque province et territoire, qui étaient jusqu'ici des pouvoirs d'urgence plutôt méconnus et très peu abordés dans la littérature. C'est pour ça que j'ai vu une étoile, parce qu'on va se concentrer sur les pouvoirs d'urgence énoncés dans ces lois-là. Ce que révèle ce portrait, ce sont que les pouvoirs d'urgence énoncés dans les lois de santé publique varie plus ou moins d'un territoire, d'une province à l'autre en termes de conditions de déclenchement, d'autorité à qui ils sont confiés et de contenu. Mais bien qu'on observe des variations, ils partagent aussi plusieurs caractéristiques. Donc, quant à leurs conditions de déclenchement, dans la plupart des provinces et territoires, les pouvoirs d'urgence vont être activés par une déclaration d'état d'urgence sanitaire. C'est un processus formel qui se fait généralement à haut niveau, soit par le gouvernement, donc le Conseil des ministres comme au Québec, ou par le lieutenant-gouverneur comme en Alberta, ou encore le ministre responsable de l'application de la loi, par exemple au Nunavut ou à Terre-Neuve. Et la déclaration est généralement faite suivant une recommandation du médecin hygiéniste en chef. Une autre approche s'observe dans les provinces de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, où il n'y a pas de mécanisme de déclaration qui existe dans la loi de santé publique. C'est la simple constatation de l'existence d'une urgence de santé publique dans les faits qui va permettre l'exercice de pouvoirs extraordinaires. Mais dans tous les cas, peu importe l'approche par déclaration ou pas, l'événement sanitaire en cause doit remplir certains critères cumulatifs pour mener au déclenchement des pouvoirs d'urgence.
Dans la plupart des provinces et territoires, le premier critère, c'est celui de l'existence d'une urgence de santé publique qui va être généralement définie comme une menace immédiate ou imminente qui pose un risque significatif ou sérieux à la santé de la population. Et à ce critère s'ajoute celui d'une coordination rapide ou de mesures spéciales qui sont nécessaires pour protéger la santé de la population. Donc, une urgence sanitaire de santé publique qui ne répond pas à ce deuxième critère ne déclenchera pas les pouvoirs d'urgence. Quant aux autorités qui peuvent exercer les pouvoirs d'urgence, ce sont généralement le médecin hygiéniste en chef ou le ministre responsable de l'application de la loi sur la santé publique. Le Québec fait ici figure d'exception, alors que c'est au gouvernement que la loi confie les pouvoirs d'urgence, donc au Conseil des ministres. Cela dit, le gouvernement du Québec peut déléguer l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs d'urgence au ministre de la Santé et des Services sociaux, ce qu'il a fait dans le contexte de la COVID-19. On a constaté que, c'est très important ce constat, que l'exercice des pouvoirs d'urgence par les autorités concernées est soumis à très peu, voire pas de processus démocratique formel avant leur application, donc ex ante, comme le processus législatif ou la consultation de comités représentatifs. Par conséquent, les autorités bénéficient d'une discrétion considérable dans le choix des pouvoirs d'urgence qu'elles exercent et dans le choix des mesures concrètes là, qui vont en découler. Cela leur permet d'agir avec la rapidité et l'intensité nécessaires face à la menace. Quant au contenu des pouvoirs, là, on a compilé tous les pouvoirs dans les lois de santé publique, indépendamment de leur mécanisme d'activation, pour un total d'environ 50 pouvoirs différents allant de la vaccination obligatoire au report d'élection. Et on a proposé de les répartir en trois catégories pour saisir davantage leur contenu. Donc, il y a d'abord les pouvoirs visant à mobiliser des ressources humaines et matérielles, les pouvoirs visant à freiner la propagation des maladies transmissibles et les pouvoirs permettant aux autorités de déroger au processus habituel. Dans la première catégorie, on retrouve les pouvoirs qui permettent de mobiliser des ressources humaines pour aider à fournir des soins de santé ou d'autres services. Par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est similaire au Yukon et à l'île du Prince-Édouard. S'il y a un besoin urgent de professionnel, le ministre peut délivrer des permis temporaires à ceux qui sont inscrits comme médecins dans d'autres provinces ou territoires. Et on a vu que les territoires du Nord-Ouest ont fait appel de cette façon à des médecins et des suppléants de l'Alberta. C'est aussi dans cette catégorie qu'on va retrouver des pouvoirs qui permettent de mobiliser des ressources humaines pour veiller à l'application des mesures d'urgence. Donc, dans plusieurs provinces, un des pouvoirs d'urgence va être celui de pouvoir désigner des personnes comme étant des agents de santé publique pendant la crise. Les pouvoirs d'urgence permettent également, dans cette catégorie, au gouvernement de contrôler les ressources matérielles. Donc, si on crée, par exemple, une pénurie de médicaments, on a des pouvoirs comme celui en Ontario, par exemple, d'ordonner l'achat, l'acquisition, la saisie d'urgence de médicaments et autres équipements. Et puis, étant donné le grand nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de soins de santé, l'accès à des locaux appropriés et à d'autres espaces est crucial. Donc, dans de nombreuses provinces et territoires, les autorités concernées peuvent ordonner aux propriétaires ou à l'occupant de tout local de le mettre à leur disposition à des fins d'isolement temporaire ou d'installation de quarantaine. En ce qui concerne la deuxième catégorie, bien, ici, on retrouve les pouvoirs qui permettent de restreindre les déplacements et les rassemblements de personnes. Là, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, je pense qu'on en a tous subi. Mais ce qui est intéressant, dans la plupart des juridictions, les pouvoirs d'urgence donnent aux autorités une grande latitude pour adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Par exemple, au Manitoba, le médecin hygiéniste a utilisé son pouvoir d'ordonner aux personnes de prendre des mesures précises pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible pour imposer le port du masque dans les lieux publics intérieurs. La troisième catégorie, dans celle-ci, on va retrouver des pouvoirs d'urgence qui permettent aux autorités d'agir en dehors des exigences législatives habituelles incluses dans la loi de santé publique elle-même ou dans d'autres textes législatifs pour éliminer des processus qui entraveraient une réponse rapide et efficace à une menace. Donc, ça conduit souvent à moins de formalisme. Lors d'une urgence de santé publique en Colombie-Britannique, par exemple, un agent de santé peut omettre dans une ordonnance des choses qui seraient autrement requises. Au Nunavut, le médecin hygiéniste peut faire oralement ce qu'il devrait faire par écrit, peut agir dans un laps de temps plus court ou plus long que ce qui est habituellement requis. Au Québec, le gouvernement peut d'ailleurs ordonner des mesures d'urgence sans délai, sans formalité. Un autre exemple de ce type de pouvoir réside dans la possibilité pour les autorités d'entrer ou d'inspecter des lieux sans mandat, alors que normalement,
un mandat serait requis. On pense aussi au pouvoir lié à l'obtention d'informations, un élément clé pour répondre à une épidémie de maladies transmissibles. Par exemple, au Québec, le gouvernement peut ordonner l'accès immédiat à tout document ou information détenu par toute personne, ministère ou organisme gouvernemental, y compris les renseignements personnels ou les documents confidentiels. Et plus généralement encore, certaines juridictions accordent aux autorités publiques le pouvoir de modifier la loi et transfèrent le pouvoir législatif à l'exécutif. Et par exemple, en Alberta, un ministre peut, sans consultation, suspendre ou modifier l'application d'un texte législatif ou une partie de celui-ci dont il est responsable s'il est convaincu que c'est dans l'intérêt public. D'ailleurs, au Québec, toutes les mesures d'urgence peuvent être ordonnées malgré toute disposition contraire. Et parallèlement à ces trois catégories de pouvoirs d'urgence, dans 6 provinces et territoires, les pouvoirs incluent aussi celui de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Donc, l'aperçu ici qu'on a, ça illustre l'étendue considérable des pouvoirs d'urgence et de leur impact sur les citoyens. Et pour cette raison, la responsabilité de l'État est primordiale, en particulier lorsque la crise est de longue durée. La responsabilité de l'État, c'est essentiel pour contribuer à maintenir la confiance du public, laquelle est vitale pour une réponse efficace à la crise. Donc, pendant la pandémie, par ailleurs, on a beaucoup appelé à une surveillance accrue de l'action gouvernementale par les élus. Les gouvernements ont aussi été critiqués pour ne pas avoir divulgué de manière adéquate des informations telles que leur plan de réponse, leur plan de déconfinement progressif, le raisonnement et les données sous-jacentes à leur choix de mesures. Et à cet égard, on s'est demandé, entre autres, si les pouvoirs d'urgence énoncés dans les lois de santé publique s'accompagnaient de mécanismes de responsabilité de l'État envers les représentants élus ou les citoyennes et citoyens, et des mécanismes qui seraient applicables en continu ou de façon périodique, mais et qui permettraient que l'État vienne répondre de sa conduite. Et on a constaté très peu de ces mécanismes. Par exemple, d'abord en ce qui concerne le déclenchement même des pouvoirs d'urgence et leur maintien dans le temps, n'ont pas été généralement associés à des mécanismes de responsabilité. Par exemple, à Terre-Neuve, le ministre a la seule discrétion de déclarer, prolonger, mettre fin à l'urgence sanitaire sans aucun contrôle politique spécifique qui s'y rattache. Le Québec et l'Alberta ont des mécanismes, mais on y a vu là certaines déficiences. Je pourrais y revenir, mais par exemple, au Québec, on peut renouveler la déclaration d'état d'urgence pour des intervalles consécutifs de 10 jours ou moins pendant une période indéterminée, ce que le gouvernement a fait de mars 2020 à mars 2021. Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale, ces périodes pourraient s'étendre jusqu'à 30 jours, mais on ne s'est pas prévalu de cette option. Et on sait que le mécanisme de responsabilité qu'on a identifié, c'est que l'Assemblée nationale peut adopter une motion rejetant la déclaration d'urgence ou son renouvellement. Mais ce refus catégorique de la déclaration d'urgence, selon nous, pourrait saper la confiance du public dans le gouvernement et est beaucoup plus drastique qu'un mécanisme de surveillance périodique. Par ailleurs, il y a très peu, voire pas d'obligation pour les autorités de publier des informations en cas d'urgence. Ce qui est exigé, c'est la publication des déclarations qui contiennent, somme toute, des informations sur la nature de la menace, la zone concernée et la période de temps. Donc, principalement, ça sert à informer les citoyens des mesures auxquelles ils doivent se conformer, mais il n'y a pas là d'obligation de divulguer des données ou les raisonnements sous-jacents. Mais ici, la Saskatchewan présente un exemple peut-être intéressant parce que le ministre responsable qui émet une ordonnance d'urgence doit motiver l'ordonnance. On pourrait fouiller pour savoir un peu plus ce que ça veut dire. Et finalement, je terminerai sur le fait que la responsabilité ne se concentre pas uniquement sur la recherche de fautes ou l'attribution de blâme. On peut aussi vouloir en tirer des leçons, ce qui fait penser à des rapports de fin d'événement. Et encore là, dans certaines juridictions, mais pas toutes du tout, il y a des autorités doivent faire rapport aux élus à la fin de l'urgence. Mais ce n'est pas clair si le rapport est simplement descriptif ou s'il doit être évaluatif. Alors, il y a là aussi peut-être une lacune. En conclusion, bien sûr, il peut y avoir une responsabilité de l'État qui s'organise dans les faits de manière informelle ou ponctuelle. On peut, en marge de mécanismes spécifiques prévus par le droit, on peut penser au point de presse, mais ça semble important, surtout dans une crise qui perdure, d'avoir une prévisibilité et une visibilité des mécanismes de responsabilité de l'État. Je vais passer la parole à la fin. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Marie-Ève peut-être de départager sur l'écran. Est-ce que c'est un mot, départager, je ne sais pas. Oui, ça l'est, mais pas approprié dans ce contexte-ci. Donc, avant de demander à Lara de prendre la parole, je vous rappelle que vos questions peuvent être placées dans le Q&A ou QER.
et je les collecterai pour la fin de la séance. Lara, c'est ton tour. Oui, merci beaucoup, Daniel. Donc, comme professeur Couture-Ménard l'a démontré, les gouvernements canadiens exercent vraiment des pouvoirs d'urgence très étendus dans la lutte contre la pandémie. Et ces pouvoirs-là ont vraiment conduit à l'imposition de mesures sans précédent qui comprennent des restrictions importantes sur nos libertés personnelles, imposées en fait avec assez peu de garde-fous démocratiques, comme professeur Couture-Ménard l'a mentionné vers la fin de sa présentation. Donc, c'est la raison pour laquelle notre point de départ dans nos travaux, ça a été l'idée que la responsabilité ou l'imputabilité de l'État est centrale vraiment à une analyse critique des mesures imposées pour contrer la pandémie. Donc, on a voulu, dans un deuxième temps, évaluer comment le droit privé, le droit pénal et le droit constitutionnel permettent d'imposer à l'État une imputabilité ou une responsabilité à l'égard de la population. Et pour ce qui est de ma partie, en fait, je voulais vous rapporter le fait que notre travail a fait valoir que l'imputabilité par le biais de la responsabilité civile de l'État devant les tribunaux judiciaires est la mauvaise voie à suivre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Évidemment, les décisions étatiques qui sont prises pour gérer la pandémie, qu'elles soient fautives ou non, causent d'immenses préjudices, on le sait. Et face à une catastrophe, évidemment, on va chercher souvent à attribuer le blâme et la responsabilité, surtout lorsqu'on estime que les causes de nos préjudices étaient évitables. Et cette tendance vers le blâme peut être renforcée dans un contexte d'urgence alors que les entités étatiques exercent des pouvoirs exceptionnels et étendus. Et donc, il n'est pas surprenant en ce moment de constater un nombre croissant de poursuites en responsabilité civile qui sont engagées partout au Canada, et dont certaines blâment les autorités publiques pour la façon dont elles ont géré la pandémie. Donc, par exemple, on a des poursuites entreprises par des personnes qui sont incarcérées dans des prisons fédérales, des patients et les familles de patients qui reçoivent des soins de longue durée, etc. De plus, et professeur Couture-Ménard l'a mentionné, certaines décisions étatiques prises bien avant la pandémie se révèlent cause de préjudice pendant la pandémie. Donc, dans le contexte québécois, on peut penser ici particulièrement aux terribles situations qui ont été rapportées au sein des CHSLD, alors que le rôle du gouvernement dans la gestion et le financement des soins aux aînés est critiqué depuis longtemps. Alors, je pense qu'on croit toutes les trois que des mécanismes d'imputabilité efficaces sont nécessaires pour encadrer les décisions étatiques prises dans la gestion de la pandémie. Mais on suggère que les litiges en responsabilité civile contre les autorités publiques ne sont pas un outil efficace pour parvenir à cette imputabilité ou responsabilité dans le contexte actuel. Et la raison, c'est qu'il y a des obstacles importants à intenter des actions contre l'État. Plus précisément, on croit, là, dans le cadre de nos recherches, on arrive à la conclusion que la majorité des décisions prises par les autorités publiques pour contrer la pandémie sont protégées contre les poursuites en responsabilité, soit par des immunités législatives ou par des limitations de responsabilité qui sont imposées par les tribunaux. Évidemment, ces protections-là peuvent paraître déconcertantes en première vue, mais certaines d'entre elles sont justifiées, en fait, par des arguments qui sont favorables à la santé publique. Donc, je vais les discuter brièvement vers la fin de ma présentation. Donc, je commence avec les immunités législatives brièvement. Les provinces et les territoires du Canada, elles offrent toutes, une certaine forme de protection contre la responsabilité civile aux autorités publiques dans le contexte de la pandémie. Mais je vais me pencher spécifiquement sur les lois du Québec et de l'Ontario à titre d'exemple représentatif. Alors, professeur Couture-Ménard l'a bien expliqué, de nombreuses et la plupart, en fait, des décisions gouvernementales dans la gestion de la pandémie sont prises soit dans l'exercice de pouvoirs exceptionnels qui sont accordés en vertu d'une déclaration d'urgence civile ou sanitaire. Donc, comme elle nous l'expliquait, c'est le cas au Québec. Mais en Ontario, par exemple, la pandémie est aussi gérée par le biais de pouvoirs associés à des déclarations d'urgence et par des larges pouvoirs accordés par la loi ontarienne sur la santé publique. Et donc, l'exercice de ces pouvoirs est dans la plupart des cas protégé contre les poursuites en responsabilité. Par exemple, au Québec, la loi sur la santé publique accorde une immunité au gouvernement
au ministre de la Santé ou à une autre personne pour les actes qui sont accomplis de bonne foi dans l'exercice de pouvoir ou relativement à l'exercice de pouvoir qui sont détenus en vertu d'une déclaration d'urgence de santé publique. En Ontario, la loi qui autorise les déclarations d'urgence civile accorde aussi une immunité aux ministres, aux fonctionnaires et à toute autre personne qui agit de bonne foi. Par contre, là, c'est une particularité ici différente du Québec. Le gouvernement peut être tenu responsable du fait d'autrui pour les actes ou les omissions d'un ministre ou d'un fonctionnaire qui bénéficie de l'immunité. En plus de ça, la loi ontarienne sur la santé publique accorde une immunité à plusieurs responsables de la santé publique pour tous les actes accomplis de bonne foi en vertu de la loi. Mais encore une fois, le gouvernement va conserver sa responsabilité du fait d'autrui pour ces actes. Finalement, la loi ontarienne inclut aussi une immunité qui protège toute personne agissant de bonne foi en vertu de certaines ordonnances, directives et instructions spécifiques qui sont émises soit par le ministre de la Santé ou par le médecin en chef de la province. Et enfin, en Ontario, suite à l'adoption du projet de loi 218, on a en plus de ça une immunité spécifique à la COVID-19 qui protège des acteurs publics et privés. Donc, les immunités législatives, elles vont constituer vraiment un obstacle important à la recherche de responsabilité de l'État au moyen de poursuites en responsabilité civile. Mais ce ne sont pas toutes les décisions des pouvoirs publics qui sont englobées par ces immunités. Par contre, comme je l'annonçais tout à l'heure, il y a d'autres protections qui existent en faveur des autorités publiques et celles-ci sont au nombre de deux. Premièrement, on a une immunité de droit public qui est accordée dans tout le Canada aux décisions politiques des gouvernements. Et on a aussi des limites à l'obligation de diligence de l'État en common law lorsque des questions de santé publique sont concernées. Donc, premièrement, les règles juridiques qui entourent l'immunité de droit public sont vraiment complexes, elles sont parfois vagues. Donc, je suis obligée d'en parler en résumé, vraiment. Mais en résumé, je peux vous dire que cette immunité protège de la responsabilité civile les décisions politiques prises par l'État, à moins que ces décisions ne soient irrationnelles ou prises de mauvaise foi. Donc, les décisions politiques sont définies comme celles qui impliquent des facteurs sociaux, politiques et économiques et elles sont généralement dictées par des considérations ou des contraintes financières, économiques, sociales et politiques. Et dans le contentieux de la santé publique, cette immunité, dans le passé, a servi à protéger les décisions des pouvoirs publics relatives à l'imposition de budget, à l'allocation de ressources, à l'établissement de priorités dans la lutte contre certaines maladies et à l'établissement et à la mise en œuvre de programmes de dépistage. Cette immunité de droit public, elle va aussi empêcher les tribunaux de remettre en question les décisions de l'exécutif qui traitent de l'évaluation des risques avant l'adoption d'une réglementation, elle les empêche aussi de se pencher sur la manière dont les gouvernements choisissent de réglementer. Donc, cette sphère politique de l'action de l'État, elle est partiellement protégée, mais la sphère dite opérationnelle de l'action étatique, celle-là, elle est soumise aux règles ordinaires de la responsabilité civile. Malheureusement, la ligne de démarcation entre les deux sphères, elle est notoirement, difficile à tracer. Mais de façon générale, on peut dire que la sphère opérationnelle, elle concerne l'exécution ou la mise en œuvre pratique des décisions politiques. Il faut noter par contre que la mise en œuvre des politiques gouvernementales, elle peut être confiée à des acteurs non gouvernementaux, donc incluant des acteurs privés, de la sphère privée, ce qui peut permettre en fait au gouvernement d'échapper à cette sphère de responsabilité. La deuxième protection qui est offerte par les tribunaux, elle existe seulement en common law, donc à l'extérieur du Québec, et elle concerne une des conditions de la responsabilité sous un régime de responsabilité qu'on appelle le tort of negligence. Et cette condition, elle réfère à l'exigence de démontrer que l'État a une obligation de diligence envers la victime. Alors, quand les pouvoirs de l'État sont exercés en vertu d'une loi sur la santé publique qui impose des devoirs de protéger la santé de la population et d'agir dans l'intérêt public, les tribunaux de common law, ils hésitent à imposer à l'État une obligation
de droit privé de tenir compte des intérêts spécifiques d'individus ou de groupes particuliers. Puis en fait, on a une jurisprudence intéressante dans le cadre d'actions collectives qui ont été entreprises contre la province de l'Ontario dans sa gestion de la deuxième vague de l'épidémie de SRAS. Et ces décisions-là confirment en fait la pertinence de la règle que je viens de vous énoncer dans le contexte de la COVID-19. Il y a des exceptions à cette règle-là. Malheureusement, je n'ai pas le temps de les discuter. Peut-être juste un exemple. Il est possible que dans les faits, le gouvernement se soit mis dans une situation où il se serait engagé à protéger certains groupes particuliers de façon expresse. Ça pourrait être une exception. Mais de façon générale, là, la règle que je viens de vous énoncer risque de s'appliquer. Donc, la responsabilité de l'État, elle n'est pas totalement inexistante, mais elle est réduite vraiment à une peau de chagrin dans le contexte de la gestion de la pandémie de COVID-19, à notre avis. Alors, au lieu de préconiser des réformes, des règles de responsabilité civile pour renforcer la responsabilité de l'État, nous, on pense plus efficace d'assurer l'imputabilité étatique à l'aide d'outils autres que le droit privé. Et en fait, notre position, elle repose en partie sur le fait que les justifications qui sont proposées pour certaines des protections que je viens de vous décrire sont favorables en théorie à la réalisation d'objectifs de protection de la santé. Maintenant, ces justifications-là, elles ont été principalement discutées par les tribunaux lorsqu'ils traitent de l'immunité de droit public, lorsqu'ils évaluent l'obligation de diligence de l'État en common law. On a trouvé peu de discussions quand on a regardé les débats parlementaires lors de l'adoption des immunités législatives. Mais la raison la plus importante qui est invoquée par les tribunaux dans le contexte de la santé publique, c'est la nécessité pour les pouvoirs publics de donner la priorité à l'intérêt général de la population. L'argument, c'est que l'analyse de l'intérêt public dans la gestion de la santé publique ne devrait pas être influencée par des obligations de droit privé qui sont imposées par les juges en faveur d'individus ou de groupes spécifiques parce que ces obligations-là pourraient entrer en conflit avec les obligations qui sont dues au grand public et ça pourrait fausser le processus étatique d'analyse de l'intérêt public. Et ce dernier commentaire, il mène à une seconde justification à l'effet que l'intérêt collectif est composé d'un prisme d'intérêts variés et divergents que les pouvoirs publics doivent considérer et concilier dans le domaine de la protection de la santé sans la menace de poursuites judiciaires. Et cet élément-là, on le constate particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 où les groupes touchés, évidemment, sont nombreux et ils ont des intérêts qui ne s'alignent pas toujours. Par exemple, le confinement pour protéger les personnes âgées a provoqué des effets dévastateurs sur les acteurs économiques. Alors, l'inquiétude, c'est que devant la menace de futures poursuites judiciaires, les autorités publiques pourraient être tentées de donner la priorité aux voix de ceux qui ont les moyens financiers, un meilleur accès à la justice, ce qui serait préjudiciable aux populations vulnérables les plus touchées par la pandémie. Et je termine avec une dernière justification intéressante qui tourne autour de la complexité de la décision publique dans le domaine de la santé et qui invoque la compétence spécifique des pouvoirs exécutifs en matière de gestion de la santé. Donc, en conclusion, bien que ces justifications-là ne soient pas spécifiquement discutées en relation avec les pouvoirs d'urgence et les autres mesures exceptionnelles de santé publique qui ont été adoptées pendant la pandémie, on croit qu'elles sont pertinentes dans ce contexte. Évidemment, lorsqu'il utilise des pouvoirs d'urgence en vertu d'une déclaration d'urgence sanitaire ou civile ou des lois de santé publique, l'État réagit sur la base d'informations limitées, avec peu de temps pour réfléchir à ses décisions. Évidemment, c'est un petit peu moins vrai en ce moment. Là, ça fait quand même 12 mois. Ils ont l'expérience de 12 mois. Mais je pense que, en particulier dans la première moitié de la pandémie, c'était tout à fait vrai. Et ce mode de gouvernance qui effectivement contraste avec le processus plus long, plus réfléchi qui sous-tend généralement l'action gouvernementale. Donc, évidemment, la prise de décision d'urgence dans l'intérêt public, c'est une entreprise de gouvernance risquée qui est naturellement sujette à l'erreur. Donc, j'ai un petit peu dépassé. Je veux juste, pour passer la balle à Alana, là, juste rappeler que, en plus des limites importantes à poursuivre l'État en responsabilité civile, il faut comprendre que on a par-dessus ça les longs délais, les
coûts importants associés au litige en responsabilité qui nous font croire là, que cette avenue de litige en responsabilité contre l'État n'est pas la meilleure manière d'assurer l'imputabilité de l'État envers la population. Et on a aussi vérifié si le même constat est fait dans les mécanismes de responsabilité qui relèvent du droit criminel et constitutionnel. Et c'est donc Alana qui va vous parler de cet élément. Merci. Alana, la table a parfaitement été préparée pour ton intervention. Parfait. Merci beaucoup. Comme l'a bien expliqué mes collègues, les décisions que prend le gouvernement par rapport à la pandémie sont faites généralement avec peu de contributions des élus et sans obligation de consulter ni fournir de justification au public. Et ces pouvoirs, comme on a vu, sont considérables. Et il y a une interaction ici avec un autre problème de longue date en droit pénal que je veux mentionner. Et c'est que plusieurs de ces mesures de santé publique sont mises en œuvre par la police. Et les interventions policières sont un autre domaine, indépendamment où la transparence et la accountability, l'imputabilité sont très, très faibles, dans le sens que la police a un pouvoir discrétionnaire énorme d'appliquer la loi ou non. Et au cours de la dernière décennie, et de plus en plus ces derniers jours, les commissions de droits de la personne et même les services de police eux-mêmes ont publié des rapports sur les problèmes de racisme systémique dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police, ainsi que l'application discriminatoire de nos lois contre, par exemple, les personnes vivant en situation d'itinérance. Et en effet, dans le contexte de COVID, nous avons entendu des rapports très inquiétants selon la distribution, par exemple, des contraventions, notamment ici au Québec, un sujet auquel je reviendrai tantôt. De plus, la valeur en termes de santé publique des sanctions sévères est contingente et incertaine. On pourrait parler davantage dans les questions-réponses s'il nous reste du temps. Pourtant, comme indiqué, le fait que les décrets sont par la voie de pouvoir d'urgence signifie que nous n'avons pas la possibilité d'avoir un débat public qu'on aurait normalement sur la sagesse de telles mesures punitives. Et donc, dans ce contexte de mesures controversées, adoptées sans processus démocratique habituel et appliquées avec très peu de transparence et justification, nous pouvons considérer que peut-être les contestations constitutionnelles seraient un moyen important de tenir le gouvernement responsable de ce qu'ils font, une forme de accountability. Et en effet, même si nous n'aurons pas le temps de tous les discuter en détail aujourd'hui, il est bien connu que les différentes mesures de santé publique imposent en effet des limites à de divers droits, y compris la liberté d'expression, de réunion, de religion, de mobilité, de respect de la vie privée, la liberté, sécurité de personnes, ainsi que les droits à l'égalité. Mais il est important de reconnaître qu'aucun de ces droits n'est absolu, notamment l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que le gouvernement peut restreindre les droits par une règle de droit, entre guillemets, dans les limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela, par contre, oblige l'État qui enfreint les droits de justifier leur action par rapport aux objectifs recherchés. Plus précisément, les gouvernements doivent être en mesure de démontrer qu'en restreignant ces droits, qu'ils pointent vers un objectif urgent et réel, que le contrôle du virus évidemment signifie, et qu'ils le font d'une manière rationnellement liée à cet objectif et à l'étape la plus juteuse, juicy, je ne sais pas si ça se dit en français, que la mesure porte le moins possible atteinte au droit en question et que son effet essentiellement est proportionné. La rationalité, la transparence et les atteintes minimales aux droits et libertés sont également des valeurs fondamentales de la santé publique et du droit de la santé publique. Alors, une exigence constitutionnelle selon laquelle les gouvernements doivent offrir une telle justification semble bien et belle d'avoir le potentiel de compenser la manque de transparence et de consultation dans le processus législatif qu'on vient de vous décrire. De l'autre côté, la nature de la pandémie signifie que les gouvernements sont susceptibles de se voir accorder une grande marge de manœuvre
au moins à court terme, comme l'a exprimé ma collègue, professeur Curie, pour leurs mesures portant atteinte au droit. L'analyse de proportionnalité n'est pas prise dans une vide et je mentionnerai ici quatre facteurs qui, selon les tribunaux, susciteront de la déférence au gouvernement. Et je note que la COVID-19 représente une situation qui engage les toutes. Vous remarqueriez que cette liste réplique largement les raisons pour lesquelles la responsabilité est peu probable, selon le professeur Curie. C'est pas une coïncidence. Numéro un, lorsque le gouvernement concilie plusieurs intérêts concurrents à la fois, les tribunaux ont clairement indiqué qu'ils laisseront un plus grand marge de manœuvre au gouvernement. Et il est clair qu'en mettant en œuvre les mesures sanitaires, le gouvernement fait exactement cela. Comme nous l'avons vu avec les critiques du gouvernement de divers côtés pour la façon dont ils ont équilibré la santé publique et l'économie, les intérêts des élèves, la santé mentale. En fait, j'ai du mal à imaginer une situation où le gouvernement a dû équilibrer des intérêts plus divers que cette crise complexe qui a touché à tellement d'aspects de notre vie. Numéro deux, on exige de la déférence lorsque le gouvernement protège des personnes vulnérables. Comme les tribunaux l'ont dit, les chartes de droit, et comme ma collègue professeur Curie a suggéré, les chartes de droit ou les droits ne devraient pas devenir un moyen de permettre à ceux qui ont des ressources de faire reculer une loi qui a pour objet d'améliorer la situation de ceux qui ont moins de pouvoir. L'application à notre contexte est évidente. La population est vulnérable à la menace de la pandémie. En plus, on sait maintenant que le virus tombe plus lourdement sur les personnes vulnérables, les aînés, les personnes racisées, les personnes à moyens restreints et les personnes, par exemple, en situation d'itinérance. Troisième facteur, la Cour suprême reconnaît que lorsque la science n'est encore pas claire, comme fut évidemment le cas au début lorsqu'on laissait notre courrier à l'extérieur pendant 3 jours avant de le toucher, quand on avait chaque banane avant de l'éplucher, les tribunaux peuvent simplement exiger dans ces sortes de contextes que le gouvernement démontre que sa mesure portant atteinte aux droits répond à une appréhension raisonnée de préjudice. Comme le tribunal a déclaré dans RGR McDonald, on n'exige pas au gouvernement nécessairement une démonstration scientifique, mais l'application, ici entre guillemets, du bon sens à ce qui est connu, même si ce qui est connu peut comporter des lacunes du point de vue scientifique. Notre histoire vivante du COVID est forcément de la COVID est forcément une histoire de lacunes de point de vue scientifique, évidemment. Et la raison finale pour laquelle j'attends une grande déférence au gouvernement, dans la jurisprudence, la Cour suprême du Canada a spécifiquement cité les guerres, les désastres naturels et les épidémies comme circonstances où on accorde de la déférence aux décisions gouvernementales. Pourtant, je dirais que ces contestations constitutionnelles restent toujours importantes, car la société civile en période d'urgence est encore plus marginalisée que normal du processus législatif. De plus, la déférence qui mérite la législature plus large que la déférence qui mérite l'exécutif travaillant indépendamment de la législature, comme l'a expliqué le professeur Couture-Ménard. Je dirais aussi que plus la pandémie se prolonge, plus on sait sur les diverses mesures et leurs impacts et alternatives, moins les tribunaux devront faire montre de déférence envers les gouvernements. Et finalement, très important, j'aimerais revenir sur un point que plus ces restrictions retombent sur des groupes déjà vulnérables, moins il devrait être facile pour les gouvernements de s'appuyer sur le fait qu'ils cherchent à protéger les plus vulnérables par voie de ces mesures restrictives. Nous avons déjà preuve de ce genre de pensée dans la décision du fin janvier de la Cour supérieure du Québec de suspendre temporairement l'application du couvre-feu de 20 heures aux sans-abri 18 jours seulement après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Il faut remarquer que dans ce cas, c'était l'absence de prise en compte par le gouvernement des circonstances précises des personnes en situation d'itinérance qui était au cours de la décision de Madame la juge Chantal Masse. Elle a noté plusieurs facteurs
y compris le risque que les personnes sans logement cacheraient des policiers, mettant leur sécurité en danger dans les conditions hivernales. Et ceci semble avoir été bien et bien exactement le cas de Raphaël André, homme inu de 53 ans, qui est décédé dans une toilette portative quelques jours après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Bien sûr, exempter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu ne répond pas du tout aux déterminants complexes de la santé dont les gouvernements devraient être responsables. Néanmoins, cela révèle le rôle que peut jouer encore les contestations constitutionnelles quand les autres moyens de tenir le gouvernement responsable de la rationalité de leur politique sont absents. De plus, il peut que le spectre de telles contestations ait un effet sur la politique. Alors, on ne peut pas savoir si peut-être les demandes des communautés hassidiques constitutionnelles que le couvre-feu limite leur droit de faire leur prière le soir ont quelque chose à faire avec le fait que le couvre-feu commence maintenant à 21h30 au lieu de 20h. Cela dit, pour toutes les raisons que je viens de vous décrire, il demeure peu probable que la plupart de ces recours constitutionnels aboutissent. De plus, ces contestations demandent des ressources que nous n'avons pas tous. Pour cette raison, les contestations constitutionnelles demeurent donc une méthode d'imputabilité de dernier recours, que partielle, et qui n'engage que les choix gouvernementaux les plus irrationnels et les plus abusifs. Alors, pour conclure sur nos trois parties, je note au nom de moi-même et mes collègues Lara Coury et Marie-Ève Couture-Ménard que la pandémie nous donne donc l'occasion de réfléchir à la responsabilité de l'État envers la population en situation de crise sanitaire et à aménager un système d'imputabilité publique efficace, honnête et transparent qui ne nécessite pas faire appel aux tribunaux et qui s'adresse directement aux élus et à la population. Une partie de notre projet invite donc à réfléchir à l'idée d'aménager une responsabilité publique, politique, public accountability, plus efficace dans les lois de santé publique elles-mêmes, qui contiennent déjà certains mécanismes de reddition de comptes, mais qui n'ont toutefois pas été conçus avec une crise d'une telle ampleur en tête et lui donc sont mal adaptés. Alors, on attend vos questions et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé avec nous les résultats de vos recherches. Il nous reste à peu près une douzaine de minutes, 12-13 minutes pour des questions. Il y en a plusieurs qui sont déjà dans le chat. Alors, je m'excuse à l'avance si je ne les pose pas dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Je crois que Zoom ne comprend pas bien le décalage horaire, les différences de fuseau horaire. Et donc, je crois qu'il y a des questions qui ont été apportées qui ne correspondent pas à leur ordre précis. Donc, une première question qui est une question factuelle, en fait. Donc, je crois que n'importe laquelle de vous trois est autorisée à y répondre. Est-ce que c'est le Premier ministre ou le directeur national de la santé publique qui a le pouvoir de déclencher les pouvoirs dont vous parlez? Ah, mais peut-être que je peux répondre, ma partie. Oui. En fait, donc j'imagine que la question concerne le Québec. Au Québec, non, c'est ça, les pouvoirs d'urgence sont déclenchés lors de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, qui est une prérogative du gouvernement et donc du Conseil des ministres. Le directeur national de santé publique, d'ailleurs, ça c'est un autre volet, mais n'a pas un rôle nécessairement prédominant là, en termes décisionnels dans tout l'exercice de ses pouvoirs d'urgence, contrairement au son genre d'alter ego médecin hygiéniste dans les autres provinces qui, eux, ont beaucoup plus de pouvoir décisionnel en temps d'urgence. Alors, nous avons une question de Jocelyne Saint-Arnaud que je salue. Est-ce que les pouvoirs d'urgence peuvent remettre à un comité la responsabilité des décisions de traitement qui habituellement relèvent du médecin traitant? Je ne sais pas si Jocelyne est là et si elle pouvait. Je ne sais pas si. Moi, je n'ai pas le pouvoir de d'ouvrir son micro. Donc, je ne sais pas si Jocelyne, tu voudrais élaborer un peu.
Professeur Saint-Arnaud, vous pouvez parler, vous avez le droit. Elle est là, oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Alors, ouais, la question se pose parce que dans les protocoles de triage, en Ontario comme au Québec, on remet à un comité la décision du choix, la décision finale du choix des personnes qui auront accès aux soins intensifs. Et certains avocats proposent ou indiquent que le médecin traitant ne peut pas être dégagé de sa responsabilité face à une prescription de soins, finalement, ou de traitement au profit d'un comité et que ça prendrait un décret pour que ce soit légalement acceptable. Et je vous demande votre point de vue là-dessus parce que moi, je ne suis pas avocate. Merci. Je pense que c'est une question pour moi, ça, mais malheureusement, je ne connais pas la réponse, en tout cas en ce moment, à cette question-là. Par contre, j'y ai pensé là, parce que je sais que les CIUSSS sont inquiets, notamment les médecins, bien sûr, mais je pense qu'il y a un questionnement au niveau de nos grands organismes, nos CIUSSS et nos CIS à cet effet-là. Donc, je vous avoue que en ce moment, je ne connais pas la réponse à cette question-là. Il va falloir voir un petit peu là, de quelle façon ça va être imposé, puis est-ce qu'il va y avoir des dégagements de responsabilité si le protocole de triage est mis en œuvre, là, ce qu'on espère qu'il n'arrivera jamais, évidemment. Mmh. Donc, je dois humblement vous dire que je ne suis vraiment pas sûre. C'est une question vraiment qu'on n'a jamais rencontrée, alors je ne suis pas certaine de la réponse à cette question-là. Et ce n'est pas juste la responsabilité du médecin traitant, mais je pense qu'on s'inquiète aussi des responsabilités envers les patients, les familles, etc. Si on applique le protocole et dans les cas où on déciderait peut-être de pas l'appliquer, donc de contrevenir au protocole, quelles sont les responsabilités qui peuvent entrer en jeu. Donc, c'est des questions vraiment importantes, mais je vous avoue que c'est vraiment quelque chose à vérifier attentivement et qui va se clarifier peut-être si, effectivement, on arrive à le mettre en œuvre, le protocole. Donc, désolée pour cette non-réponse. Merci. Une autre question, donc, peut-être un peu plus générale sur l'impact de tout ça. L'impact sociétal de tout ça. Donc, Yunusa Sawadogo vous demande si les pouvoirs d'urgence dans le cadre de la COVID-19 n'ont pas contribué à faire régresser les libertés individuelles. Moi, je pourrais essayer tenter de répondre à ça. Et c'est clair que les mesures ont frein aux droits individuels. Mais comme j'ai essayé d'expliquer, c'était toujours le cas que nos droits individuels peuvent être limités par le gouvernement. Et c'est pas que le gouvernement, selon notre constitution, et c'est pas que cours de la pandémie que les cours ont décidé que les gouvernements ont plus de latitude, mais c'est plus que les décisions antérieures, et ça répond aussi à une autre question que j'ai vue dans le Q&A, les décisions antérieures de la Cour suprême du Canada démontrent que le gouvernement aurait plus de latitude de limiter les droits dans des circonstances semblables à ce qu'on voit ici avec le COVID, c'est-à-dire dans des situations d'incertitude scientifique, on donne plus de latitude au gouvernement d'enfreindre aux droits, et essentiellement ceci est un de ces cas, quand la situation quand le gouvernement prend des mesures pour protéger des personnes vulnérables, on leur donne plus de latitude pour enfreindre aux droits. Alors moi je dirais que c'est pas exactement qu'on a moins de droits qu'on avait auparavant de point de vue constitutionnel. C'est évident que le gouvernement a restreint nos capacités d'exercer nos droits. Mais c'est juste que dans une situation d'urgence, les cours vont laisser au gouvernement d'enfreindre nos droits essentiellement plus que normal. La question pour moi, et c'est une très importante question, est est-ce que de point de vue politique, on va s'habituer à une telle situation où on est plus habitué
à avoir des droits que les, à laisser nos gouvernements enfreindre nos droits plus qu'avant. Et c'était un problème que plusieurs philosophes, comme le connaît très bien notre modérateur, ont soulevé, notre animateur, ont soulevé au début de la pandémie. Et c'est pour cela que je dis que c'est très important, moi, je trouve, d'avoir une conversation assez robuste sur l'étendue de nos droits et la capacité du gouvernement d'enfreindre aux droits, mais qu'on ne devrait pas attendre que les processus de contestation constitutionnelle vont nécessairement répondre à ces questions, que c'est une question effectivement politique qu'on devrait avoir de manière politique, et pour, c'est pour ça qu'on suggère des méthodes d'imputabilité qui sont plus liées à la politique qu'au recours constitutionnel. Alors, il y a une question tout à fait pertinente dans ce contexte que je vais vous lire. La clé pour la gestion de la pandémie est dans la réactivité, dans la mise en place de réponses rapides, donc de la part du gouvernement. L'instauration d'une imputabilité au gouvernement pourrait décourager les dirigeants donc, qui auraient peur d'être sujets à des poursuites, d'agir ou de mettre en place des consignes qu'ils croient par ailleurs bénéfiques pour la population, en vertu par exemple du principe de précaution, et ainsi ajouter un délai supplémentaire à la gestion de la pandémie. Il faudrait consulter ses avocats avant de mettre de l'avant des mesures jugées urgentes, ce qui pourrait causer préjudice à la santé de la population. Que pensez-vous des impacts négatifs de l'instauration d'une méthode d'imputabilité du gouvernement? J'ouvre largement là, qui a envie de se mouiller? Bien, peut-être je peux tenter un élément de réponse. En fait, je pense que c'est là le défi de dire s'il y a peut-être des formes de responsabilité publique plus adéquates que d'autres dans les contextes d'urgence, parce qu'on veut éviter justement que le servicieux, que la responsabilité nuise à une réponse adéquate à l'urgence. Mais c'est là que ça devient intéressant de penser des mécanismes qui sont peut-être pas en amont, mais si on reste dans cette idée-là qu'on laisse beaucoup de latitude pour agir, mais qu'on demande quand même périodiquement des comptes pour maintenir ce lien de confiance, mais là, ça devient peut-être plus prometteur comme type de responsabilité, où là, on va dire c'est pas parce qu'il y a une faute qu'on demande des comptes ou parce qu'il est arrivé un incident qu'on demande des comptes, mais que la responsabilité politique a une notion de continuité dans le temps aussi. C'est de dire qu'indépendamment d'un blâme, on peut continuer de justifier nos actions, et ça peut même être bénéfique que d'aller chercher le feedback, je m'excuse, j'ai comme un anglicisme, la rétroaction de différentes parties de la société civile sur nos actions pour continuer d'avoir l'adhésion aux mesures. Je pense que cette question-là, justement, elle ressort à cause de la période très longue dans laquelle on est maintenu dans cette crise. Puis on le voit que l'adhésion aux mesures est de plus en plus difficile. Puis ça prend cette conversation-là. Puis la responsabilité, ce n'est pas juste fournir des informations, c'est aussi justifier puis expliquer nos actions. Puis ça prend des lieux de dialogue pour ça. Donc je pense que c'est ça qu'il faut, des lieux de dialogue. Et quand on regarde nos lois, moi, pour avoir quand même épluché les débats parlementaires dans les provinces et territoires, c'était assez marquant que le souci à ce moment-là, c'était de donner les moyens adéquats pour agir. C'était tout à coup qu'on manquerait de pouvoir. Mais là, je pense qu'on est dans... OK, là, on a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on manque de mécanismes de responsabilité? C'est peut-être phase 2 là, de réflexion sur nos lois. Puis là, on a juste regardé les lois de santé publique là, dans cette partie-là en détail, mais il y a les lois générales sur l'urgence qui peuvent être inspirantes ou différentes. Ou d'autres volets qui peuvent s'ajouter. On est presque arrivé à la fin et je m'excuse pour les personnes à qui je n'ai pas donné la parole. Je peux peut-être écrire séparément à nos conférencières, mais j'aurais envie, disons, de vous entendre peut-être en conclusion. Est-ce que dans vos recherches, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec ou ailleurs, vous avez vu des signes que le gouvernement est conscient qu'il y a un seuil de risque en deçà duquel cela déclencherait? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça prendrait, en quelque sorte, pour que le gouvernement décide que nous ne sommes plus en période d'urgence? Étant donné que ça ne va pas être un on-off, là, nous allons continuer à être en situation de risque modéré pendant des mois, voire des années. Je
J'ai peut-être quelque chose à dire, mais je laisse d'abord mes collègues. Non, vas-y. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que comme il n'y a pas de mécanisme formel de dialogue autour de la déclaration de la fin d'un état d'urgence, là, bien, c'est ça qu'on se demande, où elle est la discussion sur à quel moment, parce qu'il faut se rappeler les critères, mettons, disons au Québec, là, ça prend une menace grave à la santé de la population qui est imminente ou immédiate. Alors, tu sais, il faut que, si à un moment donné, ces critères-là, s'ils ne sont plus remplis, bien là, normalement, il n'y en a plus de déclaration d'état d'urgence. Mais le critère qui est intéressant, c'est celui que la menace est grave parce qu'elle nécessite des mesures exceptionnelles. Ce n'est pas une gravité en termes médicaux, c'est elle est tellement grave que ça prend des pouvoirs exceptionnels. Puis c'est là où il faut un dialogue à un moment donné pour dire est-ce qu'on pourrait en venir à utiliser des pouvoirs réguliers pour la gérer? Si oui, on ne devrait plus être dans l'état d'urgence sanitaire. Mais tant qu'on va dire on a absolument besoin de ces outils-là pour protéger la population, bien là, ça demeurerait valide. Écoutez, c'est une première. Oui, tout ça, oui. Est une expérience juridique. Ce qui me fait penser que nous aurons d'autres occasions pour vous réinviter. Dans un an, peut-être qu'on pourrait revoir où nous en sommes. Alors, je tiens à remercier, au nom de toutes les personnes qui nous ont écoutées, je tiens à remercier chaleureusement nos conférencières, donc les professeurs Marie-Ève Couture-Ménard, Lara Coury et Alana Klein. Je vous rappelle que vous recevrez un courriel dans les jours qui suivent avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et le PDF de la présentation. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été là et d'avoir participé à notre webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous et à toutes. Merci.